Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Nous allons donc cette fois-ci partir faire la quête principale que nous avons loupée la dernière fois. Nous sommes en mode... voilà, merci, c'est mieux comme ça. Crac. On va accélérer un petit coup, on va écraser cette saloperie. Je l'ai foiré. On va se rendre à nouveau ici. Un autre colon décédé, pionnier. Si vous me donnez son nom, je pourrai mettre à jour son dossier et demander son rapatriement. Ah oui, ici. D'accord, ok. Salut. Degan C à vente. Avente. La radiation a eu raison d'elle. Crac, je prends ça aussi. Ennemi dans la zone. Allez, au calme, c'est un conteneur. Crac. Armure de l'initiative, on a une jambière. D'accord, on peut trouver des armures comme ça aussi, d'accord, pourquoi pas. Ce qui me fait penser que mon équipement doit se... Voilà, à 30 objets sur 50, ça commence à se remplir à mon avis. Ça me rappelle vaguement quelque chose cette histoire. C'est glissant mais la vue est magnifique. Puzzle, glyphe inconnu. Allons résoudre ce machin. C'est trop sophistiqué pour un récupérateur. Qui d'autre pourrait bien étudier cet endroit? Attendez, regardez. Hop. Ah, je peux pas le faire. Je voulais taper dessus, vous savez, avec mon coup de poing, mais il voulait pas le faire. Tant pis. Ok. Connexion. Bonjour. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Le système semble instable. Il s'est passé la même chose quand mon père l'a fait? Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. Ces structures cachent peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Donc, mettre deux tours, non? Ah non, je croyais que c'était... Non! Pibi. Bonjour? Ouh, bonjour! Debout, tout de suite! Merci, Cora! Oula! Du calme. Échouer maintenant, ça serait dommage. Qu'est-ce que tu... Baragouine. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Non, je vais pas la pousser. Vous pouvez me faire confiance. Tout ira bien. Je sais. Je suis qui, moi? Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes un pionnier. Je commençais à me dire que l'initiative vous avait inventée pour qu'on perde pas espoir. Mais non, vous voilà. Et vous alors? Bonjour. Vous êtes qui? Vous étiez sur le point de me le dire. Je suis peut-être la solution à tous vos problèmes. Ouh, tous tu dis? Absolument tous, tu es sûr? Hey, regardez. La compagnie? Ah non. Ok. Il suffit d'être patient. Il suffisait d'attendre. C'était pas du tout impressionnant. Waouh! Plus tard. Pour l'instant, détruisez-les. Je les vois pas. Ah si, c'est bon. Occupez-vous d'abord de celui-là. Il fabrique des petits robots. Voilà. Raté. Il en reste? Non, c'est bon. Pas mal. Mon premier accrochage avec les reliquats s'est beaucoup moins bien passé. Les reliquats? Ces monolithes, les... C'est les trucs dont tu parles depuis deux épisodes. Les assembleurs, ce sont les reliques de quelque chose de bien plus grand. Mais d'accord. Ça fait trop long comme nom. D'où les reliquats. C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. Enchanté. Merci pour votre aide avec ces trucs. Je m'appelle Ryder. Vous êtes une vraie énigme. J'étudie ces glyphes depuis des mois et vous, vous débarquez et bim. Eh ouais. Résolu. À vrai dire, j'en ai déjà trouvé un, mais la console marche pas. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. De la manipulation d'atmosphère? Possible, ça collerait bien.
toutes les pièces de technologie reliquate sont liées. Vous avez réussi à interagir avec ce monolithe, et maintenant, il communique avec les autres. D'accord. Si vous les réveillez eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Il suffit de suivre le fil, alors. Se connecter au monolithe, suivre le lien jusqu'à la source, rien de sorcier. Voilà. Évitez juste d'énerver trop d'observateurs. Ah, donc j'ai bien fait peut-être de pas les agresser trop, les autres. Je serai... Il faut que j'étudie cette histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises. Oh, le doublage est quand même... assez triste. Excusez-moi, mais là, je peux pas dire autrement, hein. J'aimerais bien pouvoir dire que le doublage est pas trop mauvais. Mais pour le coup, là, c'était pas bon du tout. Ah, tiens, c'est quoi ça? Bouclier, reliquat, d'accord. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une guéguerre entre plutôt trois factions, si j'ai l'impression. Les robots reliquats, les Kert et les humains. Enfin, l'initiative en tout cas. Et j'ai l'impression en fait que Kert et Initiative ont plus ou moins le même objectif. Coloniser cet endroit. Pour l'instant, c'est l'imagination. Enfin, c'est ce que j'imagine moi, personnellement, on va dire. Ok. Tac. L'objectif pour nous serait de nous rendre ici, finalement. Mettre le point et nous rendre ici. On y va. On y va, on y va. On se dépêche. On ne perd pas de temps. On suit la route. Ce chemin que nous traçons. Quand les premiers colons ont été envoyés ici. Après toute la merde que le Nexus avait endurée, on pouvait enfin croire en quelque chose. Tu m'étonnes. Et puis les rapports sont arrivés. Cette fois, ce sera différent. Oui, je suis plus que prête à retrouver la foi. Ok, l'arc des hommes sur place. Au travail. Ah, rien à faire pour le moment. Oula. Oh, la trajectoire était limite, hein, si je puis me permettre. Désolé, mais là... Ok, ça grimpe un peu trop. Pouvoir larguer la station ici. Ah, c'est ici que je l'aurais mise, moi. C'est quoi ce parasol, là-bas? Ah bah c'est peut-être l'endroit où on va la mettre. Ouais, d'accord. Ok, y a un mec qui a fait protocole du thé ici, quoi. Automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Attends, déjà y a un cadavre ici. Encore un, d'ailleurs. Entrée du registre. Technicien spécialiste, Aman Kotari. Abattu par ce qu'il étudiait. Le nombre de décès dans les deux avant-postes a dû beaucoup affecter les survivants. Carrément. Regardez là-bas. Cet endroit a un abri, de l'eau, un terrain stable. Il a été ignoré en raison de la présence des Kert à la structure reliquat voisine. Mais l'emplacement serait idéal pour un avant-poste. Les Kert et les reliquats. L'un va pas sans l'autre, on dirait. Si on arrive à éclaircir le ciel, ça pourrait être notre nouvelle terre d'accueil. Tac. Donc grosso modo, revenez quand vous aurez fini la mission principale. Enfin, de cette zone. L'organisation augmente rapidement. Il y a deux grottes, là. Ok. Bah écoute, on y va. Les gens du site 1 s'intéressaient aux monolithes, eux aussi. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Surtout le genre de truc qu'on apprend à ses dépens. Mais bon, vous êtes là maintenant. C'est pas vraiment par là qu'il faut qu'on aille, apparemment. Crac. Ça va être dans le trou, au fond du trou, là. Ça sert à rien, pour le moment. Je sais pas s'il y a moyen de passer, regardez, par là.
niveau de radiation normal. Cool. Suite. Bonjour. On va chercher les glyphes sans trop... Ceux-ci n'ont pas l'air hostiles. Bonjour. On n'a pas la même définition de style, hein, apparemment. Quoi? Oh oui, bien vu. Attention, des reliquats. D'accord, effectivement, là il me chie un truc, ce truc là. Mais on peut voir aussi là-bas qu'il y a un glyphe. Il faut... Ah putain, il faut que je sois là pour scanner le glyphe, c'est ça? Ah, j'ai pas le droit de grimper ici. Que je sois en face pour le scanner. Non. T'es rigolo toi, comment je suis censé le scanner? Bon, on va aller voir d'abord le... De toute façon on va se faire agresser quoi qu'il arrive donc. Je détecte un niveau. Voilà. Décryptage impossible. Analyse. D'accord. Scanner les environs pour trouver d'autres glyphes. Ok. Je crois qu'on va devoir chercher les autres endroits. Waouh. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Vache. Vache. En train de crever. Oh putain. C'est super mal. Juste super mal. Oh la vache. Oh la vache. Ah non, ils font super mal. Oh, incroyable. La quantité de dégâts qu'ils font. Reprendre. Oh la vache. Ça réveille, hein, limite, hein. Donc, mieux vaut voir... L'ascendant sur eux. Clairement. Voilà. Crac. Alors, tu l'as pas aimé ce coup-là ? Pas eu du premier coup. Allez. Ah putain, mais en fait il se téléporte à chaque fois, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Parce qu'en fait quand il se téléporte, je pensais qu'il allait se planquer derrière la... Vous savez, derrière un truc quoi. J'arrive pas à voir les deux. C'est bon. Le combat était tellement plus dur tout à l'heure. Presque dur. Ah non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le truc là. J'en ai trouvé une autre. Encore une. Très bien. Donnez-moi son identité. Ah, apparemment, on a trouvé un cadavre. Apparemment, on a trouvé un cadavre, mais je ne vois pas où. Je détecte un niveau élevé de cryptage reliquat pionnier. Décryptage requis pour continuer. Qu'est-ce que... Il faisait son lacet ou quoi là, truc.
Datapad. On est tout près, je le sens. Une fois qu'on aura l'aide du linguiste, on le décodera. Toute cette technologie va forcément nous être utile. Donc il a vu un cadavre. On pourrait revoir Carrie. On a démarré doucement, mais on va y arriver. On... Oh non ! Non ! Où précisément, j'ai pas encore trouvé. Les reliquats sont pas des robots et des machines à ciel bleu. Faites gaffe. Ils ont sauvé toutes les données qu'ils ont. Madame. Amira Espanol. Bien reçu. Merci Ryder. Ok. Donc là tu vas me dire, on peut pas. On dirait qu'il nous manque quelque chose. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Il semblerait que cet appareil reconfigure les panneaux qui sortent du sol. Ça pourrait être utile. Est-ce que c'est ça qui rallumerait le truc là-bas? Non, apparemment non. Apparemment, il y aurait quelque chose ici. Reste à savoir comment je monte à cette haute. Ah, d'accord, ok. Il va falloir que je passe par l'interface de contrôle. Ok, 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 je commence à comprendre le bordel. Interface activée, pionnier. Par contre, si c'est ça à chaque fois, ça va vraiment être long. Même, je dirais même que le jeu va être long lui-même, parce que là, pour le coup, c'est pas les phases de gameplay les plus intéressantes. Mais bon. Ok, ça m'en fait toujours un. Ça c'est quoi? Appareil sonore inconnu. D'accord. Et là aussi il y a quelque chose. Crac, vas-y, fais péter. Ah oui, il y a plein de plaques au sol, effectivement. Et voilà le travail. Ok, ça m'en fait deux. Bon, allons résoudre ce machin. Ouais, enfin si tu veux bien grimper sur le truc. Allez, Simon. Voilà, c'est bon. Crac. Ok, alors. Console reliquate. Apparemment, j'ai toujours pas de quoi le décrypter. Échec, ah bon? L'interface a échoué, pionnier. Les systèmes de défense s'activent. Bon, c'est pas la bonne arme. J'ai pas l'impression qu'on gagne de l'XP avec. Il faut que je garde en tête les trucs que j'ai pris ou quoi? C'est quoi ce bordel? Attendez. Ce scan là il ressemble à quoi? Une espèce de W avec un point ou un M avec un point. Pardon. J'ai repris des fruits, vous savez, pour l'apport énergétique, mais... Je crois que mon corps a pas pris l'habitude encore là pour le coup, c'est... Ça fait trop longtemps. Et on a une espèce de C avec deux points. Ok. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est tout ce qu'il y avait finalement? Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. On a le C avec deux points ici, on a le M avec un point bizarre ici. Oh d'accord. Ok, c'est... Ok, d'accord, je viens de comprendre. Voilà. Ici. C'est celui-là. Ici, ce sera forcément celui-là. Attendez. Là. C'est ça. Ça. Non, ça devrait être à l'opposé, c'est pas bon. Donc attendez, il y a encore un autre truc. Qu'une seule fois par ligne. D'accord, c'est un sudoku. Ok, je viens de comprendre. Regardez. Donc là, il peut y en avoir qu'un qu'on a pas sur la ligne. C'est celui-là. On est d'accord. Sur cette ligne-là, il nous en manque un. C'est celui qui ressemble à une flèche. Ici. Ici, il nous en manque un aussi. C'est le M.
Ici, il nous en manque un, c'est celui-ci. Ici, il nous en manque un autre. C'est un sudoku, en fait, c'est tout con. Il nous en manque un, c'est la flèche. Une fois que la flèche, elle est là, il nous en manque un, c'est le M. Et ici, il nous en manque un, c'est le CCD. Ben voilà, d'accord, en fait, c'est très très simple. Ok, pourquoi pas. C'est intéressant, j'aime bien. C'est pas ce qu'il y a de plus fun en termes de gameplay, mais c'est rigolo de voir ça. Pas trop ce qui se passe, mais ils sont en train de se connecter. C'est bien. Oui, vous arrêtez pas en si bon chemin. D'accord. Compte sur moi. Un transporteur Kert. Ah bon? Sérieusement? Bah, j'en peux plus. Ah merde, je pensais qu'il allait... Tellement de dépouilles partout, c'est quoi ce bordel? Merci. Et ressort ta tête qu'on rigole. Oh, le recul de cette arme, c'est assez incroyable. Ça c'est quoi? Des lentilles d'observateur, pourquoi pas. Ah oui, c'est les lentilles du robot, l'observateur c'est le robot. Je suis con. Ok, bon. Ils sont quand même vachement balèzes. Cage. 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 Il ne peut en rester qu'un. Et ce sera pas toi. C'est moi ? Ou les cartes sont jamais très loin des reliques. Ouais, ça c'est vrai. Bien qu'on trouve. Je me disais la même chose. C'est pas complètement con ce que tu dis là, mon ami. Ah non, c'est le datapad qui m'intéresse. Ah non, c'est la dépouille, pardon. Le datapad, je l'ai déjà eu, c'est vrai. Neuro machin intact. Neurobobine intact. Ok, si tu le dis. Ça, c'est de la santé qui est pratiquement complètement vide. Moi, je cherche plutôt des munitions là. Voilà, cool, merci. Ok, donc ça se passe pas si mal finalement. On s'en sort pas trop trop mal, sachant que le dernier point en plus, on l'a normalement nettoyé. C'est là qu'on va voir s'il y a un repop sur ces points ou pas, finalement. Ici. Crac. On va s'y intéresser, on va bien voir. Je pense qu'il va y en avoir un, par principe. C'est un vaisseau, ça. Ah, d'abord, il est loin. Il est loin. Boost! Est-ce que vous voyez des choses là-haut? Apparemment non, mais je pense qu'on va le savoir tout de suite, de toute façon. Ah, apparemment ça n'a pas repop. Ah merde. Allez, il grimpe. C'est bon, la pente est plus violente. Là par contre j'entends un vaisseau. Non? Les cartes se sont bien installées. Oui, oui, mais enfin bon. Toutes ces recherches. C'était quoi ce gémissement? Ça, je me suis garé un poil loin finalement quand il pense. Fais pas le con, Marcus. Fais pas chier à passer par les portes, cela dit pour autant. Ok, bon, là on va pouvoir l'utiliser en fait finalement. Sauf si ça bug, ou enfin que ça nous dit non,
Quand je parlais de bug là tout de suite, c'était pour dire. Ok. Interface activée, pionnier. Why not? Ça y est, les monolithes sont activés et connectés à quelque chose dans le lac. C'est peut-être l'interrupteur qu'on cherche pour tout mettre en marche. Je vous retrouve là-bas. Faites rien sans moi. D'accord. On va me balancer un truc sur la première planète, c'est sympa. Du coup, j'ai pas suivi ce qu'il disait. Merde, je suis con. Voilà, ça sert à ça de regarder les notifications, Marcus. Donc, ouais, grosso modo, on m'a dit qu'il y avait un truc qu'il fallait que je chope. Parce qu'apparemment, il doit y avoir un succès, j'imagine. Pour ce qui est d'avoir tous les reliquats ou tous les puzzles ou n'importe quoi. Et on m'a dit qu'il y en avait un qu'il faut que je fasse très attention, il y en a un qui sera planqué dans... D'accord, c'est ça qui ouvre le fameux pont. Ok. Vous savez, le pont qu'on a failli... tomber dans la flotte à cause, quoi. À cause du fait qu'il soit complètement absent. Donc ouais, il y a des choses apparemment qui sont à choper pour un succès. Et apparemment, ceux qui sont plus ou moins cachés sont plus ou moins intéressants aussi parce qu'ils apportent plein de choses. Donc je sais pas si je vais le trouver, on m'a pas dit où est-ce qu'il était, on m'a dit qu'il fallait juste que je cherche dans celle-là, dans le premier donjon, donc je pense que ça va être ça. Ça a même pas pété mes boucliers en fait, hein, quand ils pensent. Hein. Je suis solide. Ok. Y a-t-il des cartes cette fois-ci? Apparemment non. Bon, on y va. Hein. Je vais pas me faire prier, hein, comme on dit. Je regarde juste avant de faire ça, chers amis, je regarde juste parce qu'on est dans l'épisode, on est à 27 minutes. Oh, je peux durer encore un poil. On va aller voir la suite des cinématiques, tout ça. Ouvre-moi ce pont. Il y a quelque chose qui sort du lac. La technologie est sous terre aussi. Allons voir ça. Ouais. Ouvre une porte. Venez. D'abord, j'aimerais avoir un pont. Ah, oh, ça c'était ça stylé. Forme un pont. On dirait presque une invitation. J'espère que c'est sans danger. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, machin là. C'est presque une invitation, comme si on avait été choisi. Vous savez que c'était qu'on était digne un petit peu. Donc, eh bien, écoutez, chers amis, moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Donc, vous pouvez trouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!